tous, c'est Ayer et bienvenue pour le nouvel épisode du mardi sur Ayer in Game et c'est Watch Dogs et encore une fois j'ai eu le droit à un problème de son. Là ça n'a pas été un problème d'enregistrement, la caméra ne s'est pas coupée, mais j'ai eu le droit à un problème de son. Donc je pense que la semaine prochaine j'utiliserai un autre logiciel de montage. Donc vous allez rester. On va faire l'épisode comme ça, comme j'avais fait les autres fois, que ce soit pour Lego ou pour d'autres Watch Dogs. Et donc, allez hop, je me lance. Hein, enfin, je suis déjà lancé en voiture. Et donc, hop, mission principale. Et oui, on continue la mission principale. Comme j'ai dit, moi j'aime bien. Là, on est lancé sur la mission principale. On a déjà découvert les autres morceaux de la ville. Et là, ce qui se passe avec Bedbug et tout. Irak, il se passe pas mal de choses. Donc, en voyant les images pour le montage, le petit montage que je vous fais là, j'ai halluciné. Là, quand je suis passé avec le 4x4 d'avoir défoncé la voiture, le 4x4 il a rien. Et j'ai défoncé la voiture elle prend feu et tout. Là, vous voyez, on voit le mec qui court. Oh mon dieu, mon dieu. Et là, je me dis, hop, je suis désolé pour toi qui est resté à l'intérieur et t'as rencontré le chemin de mon 4x4. Ça passe pas. Donc non, on reprend donc pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Bedbug, la suite Irak, Bedbug, le chapitre 2 quoi. Et donc on suit le tout, c'est tranquille, c'est pépère. Je peux vous dire que j'ai énormément galéré sur cet épisode là, que ce soit pour l'enregistrement. Je me marre à me voir défoncer toutes les autres voitures. C'est vrai que le moment où j'avais vu que c'était possible de défoncer toutes les autres voitures, et qu'est-ce que j'ai fait? Et je suis allé défoncer les autres voitures, normal. Avec mon superbe 4x4, boum! Mange-toi ça, allez hop! Je crois que j'avais réussi à aller avec une autre voiture un petit peu plus loin. C'est au virage. Donc, ouais, je sais, l'épisode précédent, je dis, il y avait eu une coupure de son. Enfin, non, une coupure de l'enregistrement total. De toute façon, l'épisode n'était pas si terrible que ça. Ah, voilà, c'est là. Attention, regardez. Voilà, j'ai transformé la voiture en épave. Même le mec il s'énerve tout le temps. En plus on rajoute une couche quoi. Bon, la mienne ne ressemble plus à rien aussi. Bon. Donc, alors comme je disais que la semaine dernière j'avais commencé à enregistrer où j'avais l'immeuble à pirater ou autre pour les caméras et que il n'y a rien eu, ça bug, donc heureusement c'est passé parce que ça, il n'y avait rien de terrible dedans. Mais là, c'est passé des trucs sympas, donc hop, un petit montage. Donc là, hop, on va rejoindre notre pote. Donc là déjà, on voit un bug. Ça c'est drôle. Normalement, on devrait y avoir le truc qui se lève, mais il se lève pas. Et là, on voit notre pote avec deux cadavres. Donc là, vous pouvez lire les sous-titres pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce qu'ils sont pas mignons les cadavres? J'aime pas sa coupe aux chinois là. Enfin, c'est les chinois aussi. Ah, franchement, en plus, comment les cadavres tiennent ici? Enfin, un truc réfrigéré. Je sais pas. En plus, ça bug. Vous voyez, on voit le sang là-bas, vers le dehors, comme s'il y avait un mur invisible ou autre. J'ai eu l'impression vraiment que Ubisoft a voulu sortir le jeu en pleine vitesse, en laissant quand même quelques petits défauts. Je trouve ça dommage. Parce que Watch Dogs avait un bon potentiel, mais là. Bon allez,
Hop, là, et donc ils nous filent les bombes collantes. Et on va s'amuser avec, avec une petite bombe collante, justement. Comme il le dit, là, comme il le montre. On kiffe les bombes collantes, de toute façon. Check, ça colle. Ah, attention. Ah, excusez-moi. Allez. Oh, je viens de voir genre le trait bleu vert du camion qui disparaît là, qui est réapparu. Comme ça, logique. Bon allez. Un petit truc assez simple. Il suffit de détruire le camion en posant la bombe collante. Le seul souci c'est qu'au début j'ai galéré, j'ai pas regardé comment faire pour balancer. J'ai regardé comme ça, je fais ah ok, c'est comme ça. Puis j'ai vite appuyé sur le bouton échappe et là je galère un petit peu pour essayer de placer cette fameuse bombe collante. Allez là, je sors le flingue. Non, pas le flingue. Ah, la galère totale. Ailleurs la galère sur Watch Dogs. Galère pour le son, et galère pour l'enregistrement, et galère pour jouer, la totale. Et là, et là, et là. Hop, normalement. Si on regarde bien le camion. Boum. Voilà. Une belle petite explosion. Allez. Donc là, faut que j'aille au point de rendez-vous pour être avec Bedbug. Hop. On vole un véhicule. Tranquille, tranquille. On conduit le tout pour aller au point d'accroche de la mission principale pour essayer de voir qu'est-ce qu'on doit faire dedans. Allez hop, et voilà, on est rentré dedans. Ah tiens, alors voyons la vidéo. C'est vrai que sur le coup, je me suis pas posé des questions, mais là. Ma voiture, mais après je sais pas, on verra. Retenez bien ma voiture, surtout retenez bien ma voiture. Donc là on arrive là où devrait se passer le rendez-vous. Hop, on ramasse une sauvegarde de Bedbug. Là je sais que je dois rechercher l'endroit où je peux avoir les caméras et tout pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir voir l'emplacement de l'échange, pour pouvoir enregistrer complètement à côté de la plaque, pour pouvoir voir l'emplacement de l'échange. Hop, l'emplacement se situe ici. Donc s'il est ici, il faut qu'on prépare les bombes. Où est-ce qu'on va les coller? Où est-ce qu'on va les placer? Où est-ce qu'on va tout faire exploser? Et ça, c'est cool. Ok, hop. Là, on voit à peu près où se situe à peu près chaque fois l'échange. Ou sinon, on a un truc à l'avenir. Là, voilà. Là, ma voiture, elle a disparu. Tchou, plus de voiture. Donc là, j'ai un certain temps pour tout poser. J'attends pour tout poser les quelques petites bombes que j'ai. En plus on va les traiter de voiture, ça c'est drôle. Excusez-moi. Ça c'est drôle quand même de voir où se situent les traits de voiture. Là je me suis quand même enquiquiné à chercher par où passer ou comment faire et tout. Donc là maintenant, là il me reste à peu près donc, une minute à passer le temps. Allez. Voilà. Il reste une minute à passer le temps. Donc là j'essaie de découvrir un peu chaque emplacement. S'il n'y a pas des emplacements sympas, on va pouvoir réussir à gérer
Bah, toutes les bombes pour pouvoir déclencher toutes les bombes collantes. Après, franchement, l'empressement tranquille, tranquille, tranquille. Hop, là, je m'amuse à tout monter, à tout ouvrir. Avec le magicien là. Shazam. Taratata. On lâche. Hop, là, je me prépare, il reste plus que 20 secondes. Là, ça y est, là, la tension est à son comble. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, ils arrivent. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Bon, 1, 2, 3. Je les ai tout en vue. Le premier véhicule qui arrive, je me dis allez, je vais attendre, je vais voir. Et tout qui sort. Le deuxième véhicule est arrivé. Et là, bam, je fais exploser la première. J'avance, bam, je fais exploser la deuxième. Et hop, il reste quelques mecs qui ont survécu. Et donc ça va être parti pour l'assaut. On va essayer d'avoir les quelques mecs qui ont survécu. Là, il y en a qui manquent. En plus, je vois pas. Il est armuré. Alors là, je me dis, la galère, quoi. La galère totale. J'ai eu la chance, c'est le mec qui m'a pas encore vu. Attendez, ouais, hop. Là, je me suis amusé à rebalancer une petite grenade à Fry. Enfin, pas une grenade à Fry, une... Une bombe collante. Et là, je me dis, allez hop, c'est l'assaut. On va essayer de tous les avoir. Tranquille. On essaye de charger. Et là, il y a l'armure qui arrive en face. Et là, je me dis, ah, c'est foutu. C'est foutu. En même temps, en face, il y en a d'autres qui arrivent là. Il y en arrive de partout. Ouais, c'est mort. Je sens que là faut que je recharge entre les armures derrière et devant. Voilà, bam. Premier fail, première mort pour cette mission. Donc, petit retour en arrière pour pouvoir faire le nécessaire pour essayer de les avoir là. Allez hop, on replace bien sûr le bon sous les voitures. C'est toujours l'endroit le plus simple, quand même. C'est vraiment le plus simple, les bombes sous les voitures, pour pouvoir essayer d'avoir le plus de monde possible. Voilà, là, j'ai tout passé. En plus, cette fois-ci, c'est que j'avais pas eu plus de temps que les autres fois. Donc, quand on meurt, on a moins de temps. Allez, hop là, nouvelle tentative. On va essayer. On se sent puissant. Donc là, on va faire l'explosion. Allez, enfin, j'ai attendu un petit peu plus longtemps, là j'ai dû attendre en fait un petit peu plus longtemps. J'ai placé mes bombes autre part, rouge, au milieu, là il y a toujours celle du milieu. Bizarrement j'attends, là il y a une petite discussion, là il part. Ouais, ma chance, t'es sûr que ça soit ici, blablabla, blablabla. Là normalement j'ai fait une première explosion, pas encore. Ah là, première explosion. Je me dis, hop, on va essayer de viser lui.
et je vise comme un gant. Je vise vraiment comme une manche, quoi. Je vise vraiment comme une manche. C'est horrible, c'est vraiment n'importe quoi là. Bon, et bim, je me suis fait complètement encerclé total. Donc là, on le refait une troisième fois. Mais là, la troisième fois, ça sera la bonne. Ça sera la bonne, moi je vous dis. Alors, on replace, donc je replace toujours mes superbes bombes à un endroit précis. Et bah, toujours au même endroit, toujours pour essayer de les surprendre, mais là je vous dis, on va faire autrement. Là, cette fois-ci, on va faire autrement. On va exploser les voitures directement avec les mecs qui sont dedans. Là. Pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début, je me dis pourquoi avoir perdu du temps à attendre les voitures qu'elles arrivent au lieu de lancer la bombe directement, quoi. Pourquoi j'ai pas fait ça? Et là, j'ai mieux réfléchi. Bah, tant mieux aussi, on va dire. Hop, là on voit le premier véhicule, il arrive. Piscaré, là, bam, voilà. Là, ils sont déjà tous morts à l'intérieur. Et là, bam, voilà. Là aussi. Plus aucune miette. C'est fini. Ils sont tous morts. On aime bien. Ils sont tous morts. C'est bon. Mais là, maintenant, on n'a plus que ceux qui arrivent à pied. Ça, il n'y a pas vraiment de soucis. Ça va mieux, bon, ils peuvent se planquer, mais là, on les canarde. Ça, c'est pas dérangeant du tout, c'est même le plus simple à faire. C'est tranquille, c'est cool. C'est cool, ouais, on les a tranquilles, on peut les attendre tranquillement, là, voilà. Là, il y en a même un qui a essayé de le monter, mais bon. Allez, je shoot et voilà. Là, je les ai tous eus. Là, c'est une belle victoire d'ailleurs sur ces petits bonshommes. Et là, hop, action suivante. Là, je les ai tous eus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, il faut que je ramasse l'enregistrement là, le téléphone. Hop, téléphone à Bedbug. Pour lui dire, je les ai tous eus. Ils sont tous morts. Je les ai tous tués. Et ouais, c'est moi. Le caïd. Le caïd des villes. Enfin, de cette ville, pas des villes en général. De toute façon, je suis pas terrible comme caïd. Hein. Et Dane Pierce comme caïd, c'est pas un caïd de ouf. Et là, donc je dois poursuivre un mec. Alors là, laissez tomber. Hein. Là, premier fail, premier bug du jeu, je sais pas comment vous le dire, mais le temps que je récupère un véhicule, le mec il est déjà parti loin, très loin. Un peu plus là, je me mange un truc en pierre. Et donc le temps que j'aille pour le rattraper, laissez tomber. Hein. Hop, c'est mort, voilà, perdu, recommence. Merci beaucoup. Ah, donc là je recommence, et en plus là, cette fois-ci à l'intérieur il y avait les véhicules que j'ai explosés. Là, je me suis dit, ah, ouais, mais si de ce côté là il y a la voiture rapide, de l'autre côté il doit y avoir le 4x4. Et ouais, il y a le 4x4. Alors autant prendre le 4x4 et on va faire le nécessaire. Le 4x4
c'est génial. Plus pour bien défoncer, ça défonce bien, donc voilà. Lui il s'enfuit. Hop. Moi je cours pour essayer de choper le 4-4 qui reste. Parce que le 4-4, ça résiste énormément. Et ça c'est cool. Hop, en plus là, bam, boum. Le mec il est un peu assommé, il essaye de s'enfuir mais bam, je le flinguais. La totale, là je le flingue. Attends, voilà. T'es mort mec. Ça sert à rien d'essayer de fuir. You are dead. Yeah. You are dead. Donc là, suite, petite suite de la mission, il faut que j'aille rejoindre Bedbug. Pourquoi je dois les rejoindre? Alors là, me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui choisis. Hein. Et je pense qu'on a un marché à faire. Un marché à faire. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais il y a un marché à faire. Allez, Bedbug, viens. On va discuter. Mais voilà, là, du petit chemin à faire. Eh là 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 là. Ce pauvre Bedbug. Qu'est-ce qu'il va prendre? Oh là là. Et hop. En tout cas, donc, bah là, c'est le chemin, c'est tranquille. Eh, Watch Dogs. T'aurais pu être mieux comme jeu. Mais je sais pas qu'est-ce qui a cloché quelque part. Tu es assez sympathique comme jeu, tu déçois certains moments en route, mais à la fin de l'aventure là, avec Irak, c'est pour essayer de retrouver ma soeur. C'est normal. Qui ne ferait pas ça pour essayer de retrouver sa soeur? Ouais. Qui ne ferait pas ça? Ah bon, c'est vrai, j'utiliserai le téléphone pour d'autres choses, quoi, mais bon. C'est vrai que c'est sympa un téléphone comme ça. Hein. Je voudrais bien. Allez, hop. Alors, on avance, là, normalement, on n'en a plus pour longtemps. Bim. J'ai eu les poubelles, là, cette fois-ci, j'ai pas ajouté de... deux personnes, tant mieux. Je pense que même à un moment, j'ai préféré couper par le parc. Voilà, j'ai coupé par le parc, mais j'ai shooté personne. Et là, on voit là-bas le point où il faut aller. Hop, voilà le point. Et là, à la fin, j'ai les Bedbugs sans vous faire repérer. Et voilà, hein. Ils auraient pu le mettre plus tôt. Surtout que le point nous demandait d'aller rejoindre Bedbug complètement. Et, c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, voilà. Moi, ça m'a. J'ai rejoint Bedbug et ça m'a mis là. Ok, d'accord. Donc là, un petit moment de filature. Comme le dernier épisode. Qu'est-ce que j'adore toujours la filature. Surtout cette filature-là, elle est pas. Elle est pas terrible. Elle est pas terrible comme filature. Je sais pas qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Moi je me suis caché derrière un poteau à vélo, c'est vrai, je suis pas voyant du tout. Et hop. Tranquille. On avance tranquillement. Bon. Et c'était juste pour ça, voilà. Je pirate le téléphone de Bedbug pour être en communication avec lui. Et allez, c'est parti. Blablabla, blablabla, blablabla. Donc lisez. Lisez les sous-titres. C'est pour ça que je les ai mis. Voyez, au cas où il y a un souci de son comme en ce moment ou autre. En tout cas, il y a les sous-titres. Vous pouvez lire pour au moins connaître l'histoire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. Alors, en fait, là, il veut. Il a une pierce, veut que. Bedbug. 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 Bedbug devienne son addict. Son indique pour pouvoir voir comment essayer d'avoir le pass pour pouvoir entrer dans la zone spéciale. Allez hop. Et là, je pars à Bedbug avec tout
Avec un ancien enregistrement là, waouh. La vidéo, tu t'y attends pas du tout en fait. Voilà, allez hop. Ah, là, 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 là. Je sais pas, ça m'a un petit peu déçu cette mission. Je sais pas. Cet acte 2 manque de quelques trucs. Elle est assez. Pour le moment, elle est assez décevante, je trouve. La première, ça se lançait bien, je trouvais. Il y avait quelque chose d'intéressant. Mais là. Il manque quelque chose en fait. Il manque quelque chose. On verra bien par la suite. Voilà. Avant de partir, on va pirater quelques téléphones pour avoir un petit peu de sous. Hop. Ouais, on est pauvres. Hein. On doit essayer d'avoir un petit peu de sous là. Une petite sous en plus dans la poche. Hop. Bedbug qui appelle pour pouvoir nous donner des indices par rapport à la suite de la mission. Et là, moi, j'avance vers la planque, étant donné que la planque, elle n'était pas très loin en plus. Elle n'est pas très loin, et ça, c'est cool. Allez. Et hop. Ok, donc là, ça va être une histoire de vente aux enchères spéciales. Bon, pour ceux qui ont déjà vu tous les plein de trucs de Watch Dogs, ils doivent savoir pourquoi ce que c'est la vente aux enchères. Je ne veux pas spoiler pour ceux qui me suivent, donc je me garde mon spoil pour moi. Non, je me suis pas spoilé, je ne connais pas du tout la suite de l'histoire, mais je me suis pas spoilé. Et donc là, notre future copine, enfin, je pense, dit qu'elle peut nous avoir des invites justement pour cette vente aux enchères. Waouh, génial. En tout cas, voilà, cet épisode de Watch Dogs se termine sur ça. Et je m'excuse encore pour ce problème de son. La semaine prochaine, j'utiliserai donc un autre logiciel pour pouvoir enregistrer correctement avec le son. Donc le prochain épisode de Watch Dogs devrait être mieux, je devrais tout avoir, le son et tout. Mais en tout cas, malgré tout, ce petit commentaire en plus vous aura plu. N'oubliez pas, dans la description, il y a le Facebook, il y a le Twitter. Un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo, même avec mon commentaire, si ça a dû vous endormir ou autre. Je m'en fous. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux dessus. Et bah, abonnez-vous à la chaîne pour toutes les autres vidéos. En tout cas, demain à 16h, on se retrouve en live. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec un meilleur épisode de Watch Dogs. Je vous le promets. Il y aura le son, il y aura une vidéo correcte. J'aurai plus à faire comme je fais là. Donc je vous dis, ce qui est sûr, c'est que je vous dis à demain pour le nouvel épisode de The Elder Scrolls Online. Et à la semaine prochaine pour retrouver Aiden Pierce dans ses superbes aventures de Watch Dogs. On espère qu'il y aura plus de trucs ouf. C'est la semaine prochaine sur Iron Game, le épisode de Watch Dogs. Allez, ciao tout le monde, ciao, 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 et ciao.